Bonjour Monsieur Lucel, j'espère que vous allez bien, moi très bien. Je viens ouvrir un nouveau vlog de la semaine. Ouais, on est lundi 14 mars, ça va trop vite, les mois, les jours. Voilà. Et du coup, on va parler de la lecture de cette semaine, qui est 365 jours de Blanca. Voilà, chez Hugo dans la collection Nous Romans. J'ai commencé à lire ce matin. J'ai pas avancé beaucoup. J'ai lu 24 pages. Voilà, je vais m'y remettre là. Voilà. Aujourd'hui, c'est une journée un peu chill. J'ai envie de rien faire. Voilà, je ferai demain sport. Il faudra que je fasse plein de choses dans la maison quand je reviendrai. Mais c'est pas grave. On va chiller aujourd'hui. Et je vais continuer à lire. Je viens de finir de manger. Enfin, j'ai mangé il y a une demi-heure. J'ai fini la fin de ma série. Voilà, et je voudrais bien continuer. Voilà, ma série. Avec en compagnie de mademoiselle Zoé. Voilà, et mon petit monsieur. Voilà. J'ai un truc à dire déjà. Oui, j'ai lu que 24 pages, mais ça me saoule déjà. Faut pas demander. J'espère que ça va mieux se passer. Mais bon sang, mais bon sang. Parce qu'il fait un rêve, il faut qu'il achète la fille, il faut qu'il la trouve. J'ai vu le film, hein, mais je me rappelais plus. Bon sang. Ça me fatigue déjà. Et déjà pas trop ce que j'aime bien. Voilà. Mais j'espère que. Voilà. Bon, on le sait bien, il n'y a pas de consentement dans ce bouquin. Je sais, je le sais, et on le sait. Voilà. Du coup, il faut que je fasse. Que je passe au-dessus de ça. Mais bon sang, il me fatigue déjà. Voilà, j'aime bien, il est beau et tout ça, mais voilà, il a rêvé de notre, je sais pas son nom, je sais plus son nom, de cette fille, et maintenant il va la rechercher pour, voilà, la kidnapper et vous saurez tout pour un autre, voilà. J'aime beaucoup faire ça. Voilà, mais voilà. J'espère que lire très vite parce que je crois que ça va me saouler. Voilà. Du coup, voilà, j'ai pas trop à vous dire. J'ai conclu le vlog précédent hier. Dans l'autre, j'ai terminé Grey et Eleanor et Grey que j'ai apprécié. Je lui ai mis un 5 étoiles. J'ai toujours pas été sur. Faut que je le mette sur le site après. Voilà. Du coup, je vais commencer ça. Enfin, comment continuer? Voilà, je voudrais bien lire au moins 5 pages aujourd'hui. Il est 2 heures. Pourquoi pas, ça peut possible. Voilà, mon marque-page est juste là. Voilà. J'espère que ça va avancer. Parce que, ouais. J'espère qu'il n'y aura pas trop de cucu. Bon, même que j'aime bien le livre avec du cucu. Mais voilà, je sais ce que je dois m'attendre. Et ça me fait un petit peu peur. Je le reculais à chaque fois pour le lire. Mais là, je suis en plein dedans. J'ai pas le choix. Donc voilà, on va un peu se dépêcher à lire ce machin, ce gros bébé. Voilà. Enfin non, il est pas gros, il fait 300 et des pages. Je sais plus combien. Hop. Ouais, il fait 300, presque 400. Donc on va essayer de se les bouffer très vite, les 360 pages, et voilà. Si je lis 100 pages par jour, ça serait bien, ça serait top. Lire 100 pages aujourd'hui, mardi 100 pages, mercredi 100 pages, il me resterait 60 pages à lire même jeudi. Ma bouteille qui bouge. Voilà, ce serait le top. Du coup, je vous laisse et je vais continuer ma lecture. Je vous reprendrai plutôt demain, je pense, pour ce vlog. À part si ma lecture m'énerve, je viendrai vous en parler. Voilà. Mais n'hésitez pas à les retrouver sur Goodweed. Non. Goodnotes. On voit mon chat. Mon petit cul. Je cache mon petit cul. Ah, là, comme ça. Montre pas son cul à la caméra, mon chat. Il fait peur comme ça quand on le voit. Bootnote et Livre Addict. C'est gratte. Voilà. Et du coup, j'allais mettre mes avis. Et je pense que demain, je ferai un post sur l'autre livre. Comme ça, il sera fait. Vous aurez un post demain. À la tête de fâché.
Voilà, du coup, je vous ferai un post demain, je pense. Voilà, elle va se coucher, elle est fatiguée. Sur ce, je vous laisse et je vais continuer à bouquiner. J'espère que ça vous ira. Bonjour mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien, moi très bien. Je reviens dans le vlog, on est mardi 15 mars. Je vous ai pas pris de la journée, il est quand même 20h, 20h01 exactement. Voilà. Je ne vous ai pas repris parce que j'étais à plat. Le matin, j'étais au enfin, je me suis levée à 6h. J'ai fait plein de ménage à la maison avant 8h. J'avais déjà fait deux tours, deux machines à laver. La troisième, elle tournait quand je suis partie à 10h. Enfin, 9h30, j'ai mis la troisième en route à 9h, 9h30. Enfin, 9h15 parce que je pars à 9h30. Et la vaisselle, j'avais fait la cage de fufu et deux machines. Et la troisième était en train de tourner quand je suis partie. Donc je suis liquidée. J'ai été 1h30 de sport sans m'arrêter. J'ai fait les 1h30. Et quand j'ai regardé mon heure, je dis, oh, il y a déjà 1h30 qu'on est là. Et du coup là, j'ai stoppé. J'ai mal ici. Les épaules, les bras. Voilà, pour le moment, rien ne me supporte. J'ai juste mon t-shirt. J'ai été me laver il n'y a pas très longtemps. Je suis rentrée et j'ai mangé. Et après, j'ai regardé ma série Station 19 sur Disney+. Voilà, c'est sur les pompiers. J'aime beaucoup cette série. Moi, j'aime bien tout ce qui est policier, série, enfin, les séries avec des policiers et des pompiers. Voilà. Et je n'ai pas lu du tout. J'ai regardé la série. Du coup, voilà. Et là, j'allais. Au matin, j'ai lu un petit peu. J'ai un petit peu lu au matin. Ici, je vais continuer parce que j'aimerais bien avancer. Parce que là, j'avance pas. Je suis à 64 pages. Et j'aurais bien voulu. On est mardi. J'aurais bien voulu être déjà à 150 pages. Ouais, même 200 pages. Voilà. Du coup, là, je vais lire un peu. Je sais pas si je vais tenir le coup beaucoup, mais je vais essayer de lire. Voilà. Et voilà. Et il y a d'autres projets qui s'est fait tomber. Qui a changé fin de semaine, du coup voilà aussi. Je pense pas avoir terminé cette semaine, mais j'espère savoir lire du week-end. Voilà, parce que je dois aller normalement le jeudi, j'allais au sport, sauf que je vais tourner mon journée au vendredi. Du coup, je vais aller chez ma tante le jeudi et aller au sport vendredi. Voilà, du coup, je vais faire l'inverse et vendredi, quand je reviendrai du sport, je me changerai, enfin la vraie me changerai et je repars en France. Voilà, du coup j'espère que je serai pas trop avoir mal partout parce que quand même 45 minutes dans l'auto de trajet. Voilà, j'espère tenir le coup. Voilà. Et par ça, c'est tout ce que j'ai à vous dire. J'avance pas dans mes lectures. Là, j'ai regardé ma série en jouant Animal Crossing. Voilà, je viens de récupérer des patates. Voilà, parce qu'il y a eu les nouveaux LC et il fallait retrouver des patates, des cannes à sucre, des tomates et le quatrième c'est du blé. Voilà, et du coup j'ai récupéré tout ça. Je suis contente, je les ai mis à pousser comme ça, je les aurai dans les jours à venir. Je suis contente, mais je suis fatiguée. J'ai un coup de. Voilà, je sais pas ce que j'ai eu ce matin après-midi, mais voilà, j'ai mangé, pourtant j'ai bien mangé. Là, ce soir, j'ai rien à manger. J'ai juste envie de boire. Voilà. Je crois que j'allais me faire une gourde d'eau avec du mojito, enfin du sirop de mojito. Voilà, parce que je meurs de soif et voilà. Voilà et lire en même temps. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Je reprendrai demain un peu mieux. Demain journée qui va être dur, non, mais j'ai du montage à faire parce que j'ai pas mis de vidéo cette semaine lundi. Vous en avez une mercredi, mais pas jeudi. Vous l'aurez une semaine en retard, du coup. Du coup, j'ai pas mis les vidéos il y a 15 jours. Lundi, il n'y a pas eu. Mercredi, demain, ouais, mais demain, il y aura. Du coup, demain, je vais monter la vidéo du. J'hésite entre le petit colis et les achats. Je vais faire une des deux. De toute façon, j'en mettrai une vendredi et l'autre le lundi. Du coup, ce sera fait. Voilà. Et voilà.
J'espère que pour vous, ça va. En ce mardi, enfin, vous saurez plus ce jour-là, mais enfin, soit. Voilà. J'ai pas grand-chose à vous dire, du coup, moi je vais vous laisser. Je vais pas faire trop de blabla. Je vais aller me chercher à boire et à lire mon livre. Le seul truc pour le moment, je suis pas fan de. Enfin. Je le sais, je le sais, je le sais, et ça me dérange un peu plus. Je sais pas pourquoi, mais ça fait longtemps que j'avais vu le film. Je sais pas pourquoi, mais le film me dérange moins que le livre, dans les explications de la kidnapping de la fille. En fait, ici, vous savez, j'ai un truc qui se met. C'est Massimo, je sais jamais comment on le dit, voilà, qui va un peu kidnapper la jeune femme qui veut séduire. Et c'est vrai que ça m'a déjà embêté parce que la façon qu'il l'a kidnappée, sans son consentement déjà, l'obliger à lui dire que tu feras les 65 jours avec moi même si tu tombes pas amoureux, voilà, c'est une obligation. C'est pas comme ça la vie amoureuse, mais voilà. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses que j'ai entendues aussi, que maintenant je sais pas, à la longue de lire, quand même, ça fait 2 ans maintenant que je lis et que je vois un peu plus les choses. Vous êtes peut-être en train de monsieur Michael, il joue un nouveau jeu. Un peu Animal Crossing, et il y a des armes, enfin il faut se battre en même temps. C'est compliqué. Et je vois un peu plus les choses qui gênent, et c'est vrai que celui-là. Il y a pas mal de. Voilà. Du coup, pour le moment, je. Bon, je suis pas à beaucoup, mais. Je pense pas continuer la série. Je pense que je vais lire celui-là parce que c'est dans le défi avec Marianne. Mais je ne prendrai pas le tome 2, ni 3 et 4, si je dis pas de bêtises. Je ne prendrai pas les autres tomes. Je vais abandonner au tome 1. Voilà, je pense pas continuer. Voilà. Maintenant, je ne sais pas, on verra bien, mais. Déjà l'idée de le lire, mais pas de prendre les autres tomes. Ouais. Et voilà, c'est parce que c'est un cadeau. Je pense que je l'aurai. Je sais pas si je l'aurai, je le garderai, mais je vais le garder parce que c'est un cadeau. Voilà. Parce que voilà. Et en plus, la couverture est belle, du coup, je vais la garder. Et si plus tard ça ne me plaît plus, ben voilà. Maintenant, je la garde. Mais voilà, on verra. S'il m'embête trop. Et je verrai la fin comment ça me donne. Et voilà. Parce que si ça va pas et si j'ai envie de le balancer, alors il prendra la porte très vite de chez moi. Voilà. Voilà. Sur ce, je vais vous laisser et je vais continuer à lire. En pensant à ça, avant de couper, normalement, tous les livres reviennent en poche un petit peu après. Je pense que c'est un an et demi. Je pense que c'est un an, mais je suis pas sûre. Et ceux-ci sont jamais venus en poche. J'ai jamais vu en poche. Ils sont toujours en grand format. Et 17 euros pour quand même. Un peu s'énerver sur le livre, c'est beaucoup, beaucoup trop cher. Voilà. Même si c'était un cadeau. Mais voilà. Je comprends que beaucoup n'a pas continué à lire ce livre. Voilà. Sur ce, maintenant je ne dis plus, je vous laisse. Je perds ma voix. Ça vaut mieux que je vous laisse. Je vous fais des gros bisous et on se retrouvera demain avec une meilleure mine et de la journée. Et j'espère avoir beaucoup, beaucoup avancé ce soir. Je vous fais des gros bisous et on se retrouve demain. Pour vous, à tout de suite, mais pour moi, à demain. Bonjour Utilisateur, j'espère que vous allez bien en ce mardi 16 mars. Je reviens dans ce vlog. On est mercredi. Ouais, demain c'est jeudi. Je voulais vous faire un coucou et vous parler de ma lecture. Je suis toujours dans 365 jours. Je suis au chapitre 6 à la page. 105 ou 103, je vois pas les. Attendez, je vais regarder l'autre page. 103, voilà, 103. Ça commence à aller un peu mieux, même s'il y a encore toujours les problèmes qu'il y a dans ce livre. Comme vous savez, c'était un débat pour beaucoup de personnes pour ce livre, parce qu'il n'y a pas de consentement. Vers la fille. La fille, elle est un peu obligée de vivre les 65 jours. Voilà, ça a été. C'est lui qui a tout décidé, on va dire. Et là, le seul truc qui est un point
entre guillemets positif, c'est que il l'oblige pas à coucher comme ça, il l'oblige pas à plein de choses, elle a juste des trucs à pas faire et à respecter, voilà, mais il l'oblige pas à plein de choses que une femme n'aurait pas envie de faire, quoi, comme coucher, si elle a pas envie, voilà. Il veut juste essayer de la séduire pendant 365 jours, voilà. Et j'étais contente d'arriver à 100 pages hier. Là, je vais essayer de me mettre, essayer d'arriver au. J'aimerais bien 200 pages, mais voilà, c'est pas le top. Et voilà, parce que je pensais lire depuis une demi-heure déjà. Ouais, 30 minutes, je pensais lire. Sauf que je suis occupée à mettre le vlog pour samedi en préparation. Il me reste 2h19 minutes. Voilà. J'ai un mec qui se débouche le cul avant que monsieur arrive parce qu'après je vais avoir du mal à télécharger. Voilà. J'ai monté. Aujourd'hui, j'ai fait du montage vidéo. Je vous dis, j'ai monté le vlog qui m'a pris bien 1h30 à le monter. Puis j'ai fait vite. Ça, j'avais pas grand-chose à couper, alors ça allait. Parce que j'aimerais bien que tant que ce soir à 20h, que je vous masse au moins le truc pour vendredi. Voilà. Je vous dis. J'ai monté la vidéo qui doit arriver vendredi, qui sera un haul Primark, Action et Molière. Voilà. Et quoi d'autre? Action, ouais, voilà. Que j'ai monté aussi. Et j'ai monté le petit colis. Là, je l'ai vite monté. Ça n'a pas duré longtemps, je vous le dis. J'en avais un peu marre de monter ce vlog. Enfin, cette vidéo. Voilà. Du coup, je l'ai vite monté. Là, j'attends que le vlog se porte sur YouTube. Voilà. Et après, je pourrais vous mettre la vidéo de vendredi. Voilà. Et moi, là, en attendant, jusqu'à 3h30, 4h, je vais continuer cette lecture bien avancée. Parce que ma chère amie, elle est à 80 pages de son bouquin. Moi, je suis à 100. Mais il faut pas qu'elle me rattrape. Du coup, il faut que je continue. Voilà. Et on termine notre pal. Comme ça, on sera tranquille toutes les deux. On va pouvoir faire plein d'autres lectures qui m'attendent. Comme ça. J'étais en train de déjà réfléchir pour le mois d'avril. Si j'ai terminé ma pal. Quel livre je veux mettre. Mais quand je regarde ce que je veux mettre. J'ai envie de tout mettre. J'ai envie de mettre La Reine des Ombres. J'ai envie de mettre plein de choses, c'est ça le problème, j'ai tellement envie. Ça, c'est une partie que j'ai lue qu'il faut que je range ailleurs. Voilà, c'est mon bordel, mais là, c'est mes livres pour étudier. Il faut que j'arrange là. Parce que ça, c'est à. Ça, c'est des trucs à vendre. Ça, c'est bloc blanche pour l'imprimante. Voilà. Mais ça m'emmerde. Ça reste. Faut pas que ça reste là. Ça. Ah! Ça et ça. Ça et ça. Il faut pas que ça reste là trop longtemps parce que ça va m'énerver. Voilà. Et voilà. Je vais continuer ça. Mais j'ai pas grand chose à vous dire du coup. Voilà. Et en même temps, je vous ai publié. Enfin, je vous ai mis le post du livre Eleanor and Gray. Et du coup, je regardais parce qu'il fallait le titre de l'autre. Ça, c'est le tome 2, mais il y a le tome 1. Je pense que je vais mettre le tome 1 dans ma pile de avril. Voilà, et mettre le 2 le mois après, comme ça sera fait et que je serai tranquille. Ce sera encore 3 gros bébés de liquider. En plus, c'est écrit assez gros, ça va se lire tout seul. Voilà, je regarde un peu, mais c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de blanc. Enfin, il y a quand même des trucs, quand même un peu SMS. Comme là, il y a un truc avec des SMS, du coup, ça va aller vite. Du coup, voilà, je voudrais bien lire le tome 1 de celui-là. Mais d'abord, il faut que je finisse celui-là et l'autre, l'ombre de, je ne sais plus quoi, de l'amour? Je ne sais plus. Voilà, mais j'ai mis le post de Eleanor and Gray sur Insta. Si c'est pas le retrouver, voilà. Et sur ce, moi, je vais vous laisser, je continue ma lecture avec, en compagnie de mademoiselle, à mon cœur. C'est Madame Zoé. C'est Mademoiselle Zoé. Ma mémère. Mais elle est trop belle. Ah oui, t'es belle.
Oui, je suis belle. Voilà, je vais lire. Et je suis sortie de la douche. J'étais me laver avant que monsieur rentre. Parce que j'avais d'autres choses à faire quand monsieur soit pas là. Comme ça, il me fout la paix. Voilà, je me suis rasé les sous-bras. J'ai arrangé mes sourcils aussi un petit peu mieux. Parce que voilà, c'est vrai que ça faisait un moment que je les avais plus arrangés. Ouais. Parce que, avant d'être confirmée, j'allais les faire. Mais là, depuis un moment, je ne les fais plus. Je les fais moi-même, mais voilà, c'est pas le top. J'aime pas faire ça en plus. Parce que moi, voilà, je fais pas la pince épilée. Parce que si je fais la pince épilée, je tombe dans les pommes. Voilà, du coup, voilà. Et voilà, j'ai pris une douche, j'ai lavé. J'ai plus qu'à me laver la bouche, mais ça sera ce soir. Enfin, dire les dents, mais ce soir, quoi. Voilà. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Mais je veux lire tout ça, il y a trop de livres. Et normalement, il y a deux lectures qui vont arriver, que je vais commander. Je sais plus le nom. Britannique et Cherry, je crois, ce que j'ai commandé. Non, ça c'est parce que non, c'est celui-là. C'est Colin Hoover. Non, c'est pas Colin Hoover. Je sais plus c'est qui. Je sais que c'est de. Attendez. Morgan Moncombe? Ça pourrait être ça? Je ne sais plus. Peut-être bien. Et l'autre, c'est. Je ne sais plus non plus son nom. Je ne sais plus. Enfin, qui doit arriver. Et j'ai un Damon Pinkin qui va arriver aussi. Mais lui, il doit arriver fin mars, début avril. J'espère qu'il va pas trop traîner pour que je le fasse parce que c'est un cadeau. Ouais, celui-là il est là. J'ai toujours pas continué celui que j'ai commencé, mais c'est pas grave. Voilà, sur ce, je vais vous laisser. Je vais aller lire avant que monsieur arrive. Heureusement, ça sert à rien que je lisse. Sur ce, je vous laisse. À plus tard! Bonjour, mes petits, j'espère que vous allez bien. Moi, j'ai mal partout. Je suis fatiguée. Mais on va faire avec. Je reviens dans le vlog, je vous ai même pas dit. On est jeudi 17. Si je dis pas de bêtises, jeudi 17. Voilà, je reviens il y a pas. Enfin, il y a déjà 1 heure. Ouais, il y a 1 heure que je suis revenue. Mais j'ai pas arrêté. J'ai 2 colis. Un que je peux vous montrer. L'autre, je ne saurais pas vous montrer parce que c'est un colis pour monsieur. Voilà, il a racheté des outils. Énorme des outils. Du coup, voilà. Et du coup, je vais vous parler de deux choses, ma lecture et du nouveau que je viens de me procurer qui est. Celui-là, je l'entends partout, mais partout. J'avais dit que j'allais l'entendre en poche, mais j'ai craqué. Il sera dans le mois prochain dans ma palle, c'est sûr et certain. J'entends que des bons retours. Du coup, d'abord, c'est Tempête du Sud de Brittany de Cherry de chez Hugo dans la collection Nous Romans. Je vais pas vous lire la quatrième de couverture, je veux pas plus en savoir. J'essaie d'éviter maintenant les spoils, mais j'ai entendu du bien. M'intéresse, mais je vais vous juste lire la petite phrase qui est là d'accroche. Mais un mouton noir peut avoir besoin d'un ami. Voilà, et c'est un nouveau coup de maître pour Brittany de Cherry. Nous faites rire et pleurer à chaque page. Voilà. Brittany Cherry écrit une histoire magnifique qui ne touche au cœur et ne nous quitte plus. Nel, ouais, c'est le nom de. J'ai lu les trucs en bleu. Je veux pas lire plus parce que voilà. Mais il va se lire assez vite. C'est quand même du Hugo. Ça se lit toujours assez vite. Voilà. Voilà. Mais il sera dans ma palle. Je vais l'écrire. Palle de avril. Avril. On a mars. Et pour ma lecture, je n'ai pas beaucoup lu hier. Je suis arrivée à 130. 8 pages. J'avais commencé en Winning Spring avec des personnes sur Discord. Mon chat qui veut déjà casser mon nouveau livre. Voilà. Sur Discord. Que j'avais commencé. J'avais bien commencé. Mais me c'est arrivé. Et j'ai laissé tomber. On s'est pris la tête hier. Du coup, voilà. Pour une histoire de frites en plus. Voilà. Il va casser les pieds. Et là, je vais vite manger parce que j'ai pas encore mangé. Je vais manger et après, j'allais sur mon lit continuer ma lecture jusqu'à 3 h. Là, il est 1 h 12. Et j'ai mangé, ça va me prendre un quart d'heure de manger. Et puis, je vais aller lire de 2 h à. Allez, je vais dire
2h à 3h30, 4h, moi, comment je rentre, voilà. Du coup, j'ai trop envie d'aller me replonger dedans et d'essayer d'avancer parce que, voilà. Je la page, je vous ai dit, je suis en plein milieu d'un chapitre comme d'hab parce que j'avais commencé le chapitre 7. Voilà, j'ai quelques pages entre le chapitre. Voilà, mais les chapitres sont trop longs à mon goût. C'est pour ça que je suis en plein milieu d'un chapitre, voilà, parce que les chapitres sont trop longs. Ils font une vingtaine de pages, c'est horrible. Mais il faut que je le termine vite parce que j'en peux plus. Ce livre m'énerve un peu beaucoup. Et après celui-là, je entamerai celui-ci. Voilà, celui-ci va moins m'énerver. Je ne sais plus de quoi ça parle, mais ça fait un moment que je l'ai en plus. C'est la de 8 du 9 2020. Voilà, ça fait déjà 2 ans. Du coup, il sera sorti et il sera lu et je serai tranquille pour le défi avec Mariette. Et en croisant les doigts, je vous ferai peut-être un mini vlog des résultats et du moment où on achète nos cadeaux. Ce sera bien si Mariette est toujours d'accord que je filme, bien sûr. Je demande toujours son accord avant de filmer. S'il n'est pas d'accord, je ne le fais pas. Et s'il est d'accord, je le fais. Voilà, c'est pour ça que des fois, ils sont avec moi, je ne filme pas parce qu'ils ont peut-être pas envie de toujours dévoiler leur vie privée non plus. Voilà. Voilà. Et du coup, ben, peut-être que ça ne dira pas non, mais voilà. Du coup, on irait dans un magasin. Je ne sais pas encore. Je pense que si on est d'accord, on irait à Cultura. Parce que c'est là où on trouve toutes les deux. Voilà. Je pense que ce sera Cultura qu'on ira. Ou alors peut-être à la Fnac. Mais je suis pas sûre. Un des deux, mais c'est là qu'on ira de toute façon. Je pense que ce sera plutôt Cultura. Si pour la gagnante à chercher son cadeau. Mais enfin, on est des gagnantes toutes les deux. Hein, parce que un, comme je sais pas si vous vous rappelez, mais la gagnante a droit à un grand format ou deux poches. Et la perdante, ce sera un poche. Voilà. Du coup, si c'est moi qui gagne, je prends deux poches. Je suis perdante en fait. Ouais, non. Enfin, je sais pas. Je verrai dans le moment le livre qui me plaît en fait. Je sais pas. J'ai pas encore. Je ne suis pas encore là. Du coup, voilà. Mais voilà. Du coup, là, je vais vous laisser. Je vais manger. Est-ce que ça vous dirait? Dites-moi en commentaire si ça vous dit ou pas. Que je fasse juste une fois je fais un vlog. Enfin, comme ce vlog-là. Mais que je le termine le vendredi soir. À la place du dimanche. Oh, purée, je viens de me marquer. Enfin, soit avant de finir dimanche. Et que samedi dimanche, je réserve que je lis le plus de livres sur un week-end. Par contre, des mangas, des BD, un peu de romans. Vous voyez, je pourrais mélanger tout ça. Déjà, pour moi, ça me ferait du bien à vider ma palle. Mais j'ai pas mal de mangas que je voudrais lire et que je mets pas dans mes palles. Voilà, mais ce serait bien peut-être finir tout ce qui est manga, BD, voilà, pour les retirer de ma palle et voir si ça m'intéresse de les garder ou pas, ça aussi, parce que j'ai plus de place que voilà. Et ça m'inquiète, ma petite trace rouge là, oh, ça commence à partir. Donc, je fais vite des réactions à tout et ça me chatouille, du coup j'ai peur d'avoir chopé quelque chose. Voilà, je sais pas si ça vous dit, dites-moi en commentaire si ça vous tente. Enfin, moi, je pense le faire. Maintenant, si ça vous tente, dites-le moi en commentaire. Si ça vous tente pas, ben, je le ferai pour moi-même, toute seule, tant pis. Voilà. Sur ce, je vais vous laisser et je vais aller manger et boire parce que j'ai commencé à avoir soif. Parce que depuis midi, j'ai eu deux réceptions. J'ai regardé pour la vidéo que j'avais commencé à 7h, uploader. Elle vient seulement de se uploader. Vous voyez, de 7h à 1h. Du coup, c'est très long. Et c'est pour ça que je ne fais plus que je termine vendredi et que je vous le mets le samedi. C'est plus possible. C'est pas possible. C'est l'internet ou je sais pas. C'est peut-être eux, YouTube, qui prend plus de temps à vérifier et tout ça. Du coup, ça prend trop de temps. Du coup, c'est pour ça que je suis obligée de le faire en décalage d'une semaine. Voilà. Et comme ça a le temps de charger. Je vous dis depuis 7h. Je l'ai mis à 6h40, 45. En plus ou moins quoi, j'ai le temps d'allumer le PC, j'ai vite mis la vidéo et voilà. Et je suis partie travailler et quand je suis revenue à midi, il était toujours pas mis.
Voilà. Il restait 1 heure quand je suis partie, quand je suis rentrée. Du coup, voilà. Voilà. Du coup, elle est uploadée. Là, je suis en train de vous mettre la vidéo de lundi qui est l'ouverture du petit colis. Ça, vous l'aurez aussi. Et si j'ai encore le temps, on verra bien. Je sais pas comment ça va se aller vite ou pas sur YouTube. Je vous mettrai celle de mercredi. Comme ça, il me restera juste vendredi à chercher une idée de vidéo. Mais j'ai toujours à la trace. Voilà. Sur ce, je vous laisse et je vais aller manger maintenant parce que j'attrape faim. J'espère que vous allez bien, moi très bien. Je reviens dans ce vlog. On est samedi. Aucune idée du jour qu'on est. Enfin, oh, je ne sais pas tourner ma montre. Je revenais pour vous faire un coucou. Attendez, j'essaye d'avoir ma montre, d'avoir la date. Du coup, voilà. On est le 19. On est le 19 mars, voilà. On est samedi. Je vous ai pas, enfin, vous allez avoir des petits plans d'hier, mais je vous ai pas repris face à face parce que voilà, hier j'ai profité de monsieur qui était en congé. J'étais au sport au matin et après on a été chez Auchan. On a été au Auchan. On était chez le roi Merlin. On était au roi Merlin, puis on a été au Jiffy, et puis à au champ. Voilà, et là on a fait un petit tour, on a fait nos petites courses. Voilà, chez Jiffy, je crois qu'on n'a rien acheté. Au roi Merlin, monsieur a acheté sa machine, voilà. Et c'est tout. Et après on a fait des grosses courses, enfin des grosses courses, on a repris de l'eau. On a pris du vin à boire avec modération, bien sûr. Voilà. Et on a pris quelques petits trucs, des petites babioles. Pas grand chose qui pourrait vous intéresser. Je n'ai pas craqué, j'ai pas acheté de livre. Voilà, on a profité de notre petit vendredi de congé. Voilà. Et aujourd'hui, ben, on s'est levé. On s'est préparé et on a voulu aller pour aller au carrouage de la voiture avec le sable qu'on a eu. Voilà, sauf que le carrouage, il faut plus d'une demi-heure pour attendre, donc on a laissé tomber. On ira voir demain matin ou ce soir. Voilà. Et
À part ça, ouais, c'est tout. Et hier, on est quand même rentré qu'il était passé 23h, 23h30, je sais plus quelle heure exactement. Parce que hier, on a été chez Auchan. Et après, on est repassé à 18h, vers 18h30, chez ma copine Mariette. Voilà, on a été lui faire un coucou. Et du coup, on a mangé avec eux, avec elle et sa maman. Voilà. Voilà, à 9, on a, elle avait, fallait aller chercher à 9h nos frites, du coup voilà. Et du coup, j'ai pas lu hier, aujourd'hui j'ai pas encore lu, mais j'ai bien avancé quand même. Là, je voudrais bien essayer de le terminer cette semaine pour commencer l'autre, parce qu'on est déjà le 20 et je voudrais bien faire finir la pile de ce mois-ci. Voilà, parce que j'ai déjà trop envie de lire d'autres choses. Voilà, parce que j'aimerais bien continuer Un palais d'épines et de roses, le terminer. Comme ça sera fait et je serai contente. Et alors, reprendre cendre et, le sang et de la cendre de Jennifer Allamantraut. L'autre, c'est Sarah Gimas. Voilà, c'est deux grosses têtes. Voilà, du coup, là, je vais lire pas longtemps parce que je vais m'en aller à 2h30. Il est 1h. Je n'ai combien? 2h, 1h. Ah, oh, ouais, déjà 1h53. Ouais, je vais pas, vraiment pas lire. Un petit quart d'heure quoi, je vais lire un petit quart d'heure, voilà, ce sera déjà ça. Pour le moment ça va, bon c'est pas le top de la lecture, mais il y a mieux, mais voilà, je vais quand même le lire, je vais quand même le terminer, voilà. Là je me suis reposée un petit peu, j'ai profité de ma petite, ma Zoé, mon chat qui était dans le lit et du coup j'ai fait un câlin et j'ai dormi une demi-heure près d'elle. Voilà. Et elle prenait soleil sur le lit. Et du coup, après, j'ai regardé quelques vidéos. Bon, je ne sais pas si je lis ou si je regarde une vidéo pendant un quart d'heure. Je pense que j'ai laissé la lecture pour peut-être ce soir. Ou demain, toute la journée, je lirai. Ouais, je pense que je vais faire ça parce que là. Mais voilà. Du coup, je vous tiendrai au courant demain. Parce que demain, je viendrai quand même conclure ce vlog. Voilà, le seul truc qui ne nous casse les bonbons c'est que je vais pas vous dire, je voulais vous dire aussi hier aussi j'ai reçu un mail comme quoi Basset Fit près de chez moi du 22 au, je sais que c'est un mois, c'est un mois complet, du 22 faut compter un mois, il ferme pour de travaux, je ne sais plus quoi, enfin soit un truc comme ça. Du coup voilà et ça m'embête un peu parce que j'étais bien partie dans mon élan de faire deux fois semaine et là ils vont couper pendant un mois, je vais encore voilà encore avoir dur de reprendre. Alors, voilà, faut que j'aille ailleurs, mais si on va peut-être aller avec mon, je vais peut-être aller avec mon papa à Courcelles pour ceux qui sont de mon côté. Un peu plus loin, mais on va aller voir où il est exactement, et comme ça, si, je verrai où il est et voir comment je peux aller jusque-là pendant un mois. Voilà, pendant un mois, comment je peux aller jusque-là-bas. Voilà, mais à part ça, j'ai pas grand-chose à vous dire. Je vais vous laisser et je reprendrai demain pour finir ce vlog, vous parler de la lecture. Je vais essayer de lire demain matin ou ce soir, je verrai bien à quelle heure je rentre. Je n'ai pas envie de rentrer tard aujourd'hui de toute façon. Je suis fatiguée. Je suis un peu plan-plan. Voilà. Du coup, je vais vous laisser. Je vous fais des gros bisous et on se retrouve demain. Voilà, dans ce vlog. Bonjour, Mathieu le Sol. Je reviens dans ce vlog. Je devais le fermer hier. Aujourd'hui, on est lundi. Je dois ouvrir à nouveau. Du coup, je viens conclure ce vlog. Je vous parle de ma lecture dans le prochain vlog. Voilà, j'ai bien avancé du week-end. Enfin, pas du week-end. Vendredi et samedi, je n'ai pas lu. J'ai lu dimanche. J'ai bien avancé parce que j'ai fait des run and sprint. Enfin, j'étais sur Twitch et j'ai lu avec des personnes. Mais je vous en parle dans le prochain vlog. Comme ça, je vais pas tout. Vous remettez en double en fait, voilà. Et en plus j'ai des nouvelles, une nouveauté qui vient d'arriver tout aujourd'hui. Même si ça fait perpète qu'elle est sortie,
parce que moi je l'avais commandé avant la sortie. J'avais précommandé, mais je viens seulement de la voir et je suis un peu déçue. Mais c'est pas grave, du coup je vous montre ça dans le prochain vlog. Sur ce, moi je vais vous laisser. J'espère que ce vlog vous plaira. Moi je vous fais des gros bisous. Et j'espère que vous profitez de bonnes lectures. Le moment où vous regarderez cette vidéo, j'espère que tout va bien. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée au moment de ce regard. Vous avez compris quand vous allez regarder ce vlog. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine dans un nouveau vlog. Bisous bisous.